Mesdames, messieurs, à l'issue de cette rencontre, j'ai à mes côtés Julien Salmon. Salut Julien. Salut, salut à tout le monde. Julien, dans une ambiance de folie, victoire d'Angers Noyant contre Pau sur le score de 32 à 27. Vraiment, vraiment, celle-là a fait plaisir parce qu'il y avait du monde en plus dans la salle aujourd'hui. Ah ouais, c'était génial là, bah ouais, c'était presque plein. Il y avait trop de monde. Pour nous, c'est le bonheur de jouer devant des gens. En plus, ça nous transcende encore plus. Ça nous donne envie de leur faire plaisir, quoi, parce qu'ils pas qu'ils viennent voir un match pour rien. Et je pense que ce soir, on a bien rendu parce qu'on a fait un bon match en attaque, en défense. Tout a été pas mal et franchement, bravo. Super match, excellent. Vous êtes vraiment sur la continuité des matchs précédents. Hein. On va annoncer quand même, c'est la 8e rencontre victorieuse consécutive, 6 en championnat et 2 en coupe. Vraiment, c'est super. C'est méritant aussi, hein, mérité par rapport au travail fait ces dernières semaines. Ouais, c'est ça. Je pense au début, on a eu un peu de mal parce qu'on était une nouvelle équipe avec pas mal de nouveaux joueurs. Et là, une fois que le truc a pris, franchement, c'est excellent. C'est régalade parce que tout le monde se fait plaisir. Tout le monde joue, tout le monde marque. Le groupe vit bien, tout le monde s'entend bien, du coup les résultats sont là et il faut que ça continue. Bien évidemment, on souhaite que ça continue, on souhaite également retrouver un public comme ça, aussi présent dans la salle Jean Moin. Merci à toi Julien, bonne continuation. La semaine prochaine, c'est Coupe de France contre Dunkerque, équipe de D1. Ça sera le bonus avant de partir en vacances. Ouais, c'est ça, l'histoire de bien finir l'année. Là, l'année de championnat, c'est fini. Maintenant, un petit match de coupe contre une D1, c'est que du bonus, que du bonheur. Donc voilà, on espère qu'il y aura autant de monde, et voire même plus. Et voilà, ça va être génial. Voilà, on va préparer ça. Super, merci à toi Julien, à bientôt. Bye. Bye. Toujours sur le parquet de cette salle Jean Moin, où tous les spectateurs ont rejoint les joueurs. Salut Fouane. Salut, bonsoir à tous. Bon, Fouane, ça fait vraiment plaisir, hein. Victoire 32 à 27 contre Pau. Je rappelle qu'il était 3e avant cette journée. Le travail paye vraiment, le travail paye. On sent ce soir une équipe d'Angers Noyant qui a vraiment bien fait le boulot. Oui, le travail paye, on est une belle équipe de Pau, on savait qu'on allait avoir un match compliqué, c'est une équipe accrocheuse, qui lâche pas, très physique, rugueuse, qui est capable de poser des problèmes et tu peux assez rapidement douter face à une équipe comme ça. On a fait le travail, je pense qu'on a été devant tout le match, on a affirmé notre position, on a été solide, donc plutôt fier de toute l'équipe de ce point de vue-là. Il y a quelques points à revoir au niveau handballistique, mais on a su tenir notre rang. C'est justement ce que j'allais dire, vous avez assumé votre statut, puisque avant cette rencontre, je rappelle, vous êtes premier, en général premier de cette poule, avec les matchs qui se sont joués hier. Ce soir, vous reprenez la première place, c'est vraiment encourageant pour la suite. Oui, c'est encourageant pour la suite, et puis ce soir, on peut le dire, on est en play-off, c'est quand même quelque chose qui était notre premier objectif de la première partie de saison, quel que soit le nombre de points avec lequel on rentre. On voulait déjà aller en play-off, aller voir ce qui s'y passe derrière. Là, on l'a fait, on l'a bien rempli, on va pouvoir passer un hiver serein. Tu as annoncé, Fouane, dans la presse, hein, c'est paru ce matin dans la presse, je disais, réclamer des supporters parce que vous en aviez besoin. Ils ont répondu, puisque ce soir, c'est quasiment 2500 à 2600 personnes dans la salle. Et ça, quand on est sur le parquet, vraiment, ça fait plaisir aussi. Hein. Ah, c'est formidable ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour remercier tous les gens du club, tout le monde, tous les gamins qui sont venus aujourd'hui. On avait une salle quasi comble. Ça me rappelle les belles époques que j'ai pu connaître il y a une dizaine d'années. Ça prouve que... C'est aussi grâce à nous, ça prouve que le travail paye, qu'on a pu ramener les gens grâce aussi à notre jeu, à nos victoires. Donc c'est génial, en plus on sait qu'on va sûrement remettre ça dès la semaine prochaine, donc c'est vraiment top. Justement, la semaine prochaine c'est le cadeau de Noël, avant Noël, puisque 16e de finale de Coupe de France, vous allez recevoir Dunkerque, équipe de D1. Là aussi j'imagine que ça fait plaisir quand on est joueur de handball. Ah oui, c'est vraiment, on s'est fait notre petit cadeau à nous, on a recherché ces deux premiers tours. Donc on reçoit Dunkerque, ça fait plaisir, mais moi ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est de rejouer devant un public comme ça. Merci à toi Fouane, bon nombre d'enfants sont là pour signer les autographes, on te laisse avec eux et puis on te dit à bientôt. Oui, c'est que hier à bras ouverts. Allez, à bientôt, ciao.